dans qui point dossier aillé. Selon confrère nous journal le Nouveliste qui rapporte déclaration ministre justice et gouvernement de facto a dit faire connaître dans cadre enquête y a mener auprès pour aller jusqu'à palais national. C'est ça Nouveliste titré dans dernier numéro et journal là qui paraît hier que nous gagnons en main nous. Enquête sur assassinat et mon frère Edouard là capable arriver jusqu'à palais national. C'est ça et ministre justice là est déclaré. D'après ça, Nouveliste rapporté. Alors, ministre justice, non, ensemble avec DCPJ, il a remonté, sorti bien loin pour joindre tout le monde qui est impliqué dans le crime. Si ça doit arriver, la caille nous n'a pas accepté, c'est ça, ministre a déclaré. S'il doit arriver dans la résidence premier ministre ou bien dans le palais national, et dans le palais national, le peuple a gagné un résultat qui a satisfait. Toujours selon le ministre justice, non, et qui t'a parlé comme ça, sous dossier Montferrier d'Orval. Il déclaré toujours, d'après sa confrère nous rapporté, tout le monde qui impliqué de près ou de loin dans le corps assassinat qui fait sous bâtonnier l'ordre avocat Port-au-Prince M. Montferrier d'Orval, il a privé sous yo quand même. Personne moun pa capable chaper, c'est ça Rockefeller Vincent déclaré d'après sa Nouveliste rapporté. Nouveliste qui rapporté tout et arrestation trois moun nous sont depuis semaine passée gouvernement parlé de ça et yo, la police arrêté là-dedans un certain Mackender Fizeme et qui ta un proche pouvoir tête caléa d'après sa Nouveliste dit la prend information de source dans la justice. Là, il te posé autorité aux questions sur information ça. Commissaire gouvernement AIA qui gagne dossier à Namen, il pas confirmé ni pas démenti information. Il dit pas bailler trop commentaires et sous question ça. Le moment va arriver, nous va gagner pour nous présenter devant la presse. Dans ça n'a dit qui est yo yé et qui ça yo fait d'après sa commissaire gouvernement AIA. Maître du Carmel Gabriel déclaré toujours selon confrère nous Nouveliste et qui rapportait d'autres déclarations que nous dépassé ici à tant coup et monsieur Jout dans cadre rencontre gouvernement créé en certain moment c'était gouvernement la caillou qu'on a là c'est rencontre communautaire et c'est un espace pour tout membre gouvernement prendre la parole tant coup Jean Tewel pour attaquer les gens que fait contre la cour supérieure des comptes et traiter toute une série de dossiers. Et dans genre de forum ça c'est plus moun qui t'a supposé chita pour tendre moun yo dit qui c'est communauté invité yo qui parlait au lieu c'est le contraire. Donc c'est journal Nouveliste qui rapportait dernière déclaration ça yo côté ministre justice et sécurité publique là prend engagement yo ka arrivé jouk dans palais national dans cadre enquête y a penin et sous crime ça pays a attend résultat enquête yo. Porte-parole police nationale qui t'a répondu question journaliste journée jeudi et Michel-Ange Louis Jeune et bail détail sous dans qui point enquête là lié li rivé et il parlait de moun yo arrêté et il rappelait yo gagne nan main youn nan moun yo arrêté nous te connaissait c'était trois jusqu'à présent et téléphone maître Montferrier d'Orval. Il a poursuivi pour dire tout le monde qui a information et la police a tenté de partager avec DCPJ dans le cadre enquête ça et n'a pas tenté porte-parole la police non commissaire Michel-Ange Louis Jeune qui t'a parlé comme ça dans micro Beethoven François fils enquête là marché à grand pas téléphone là dans la police gain des monde qui commence à répondre question et la police autour d'enquête ça n'a pas avancé j'en ont confel déjà. J'en ai fait pour l'autre cas qui passait déjà. J'en ai fait pour l'autre cas que n'a travaillé sous lui. En temps et lieu, n'a présenté à la presse état d'avancement enquête là. Moun qui ont arrêté déjà, traîné yo par devant autorité judiciaire yo, même pour capable faire suivi à dossier. Téléphone nan, mais nous, qui côté nous, je n'ai ensuite donné yo. Est-ce que yo toujours la donné yo, pas effacé? La police gagne suffisamment de données nan men qui pour permettre lui avancer avec enquête là. Mais nous, pas prêt à faire suite en avant pour l'instant. En nous contentant nous de ça nous gagne là non mais nous quitter enquêteur yo avec sérénité yo pour yo travail a gagné pour nous présenter à opinion publique là à travers la presse état d'avancement enquête là.
et traîner les gens qui n'ont pas la police, bailler la justice pour la justice capable de faire suivi. Et combien de gens nous arrêté? En pile, bah, c'est des gens qui sont proches de l'autre monde, qui ont une grosse responsabilité. Qui ça nous a dit? Nous avons arrêté plusieurs gens. Tout bagaille kap di yo, moun kap di yo, sa kap pi important, ki tap ran met mon ferrier d'Orval et service, ki tap ran famille mon ferrier service, et ki tap ran société ya, et communauté universitaire la, service, tout sa yap di yo, kote yo bay la police, à titre de plainte, de dénonciation, de témoignage, sa yo a plus servi la police dans cadre enquête la, sa a plus servi société ya, dans le cadre d'enquête là, pour faire enquête là avancer. Notre travail, et en temps et lieu, n'a pas dit qui ça nous gagne, qui ça, qui côté nous arrive, nous demander, j'aime tout là, qui connaît information, bien qui gagne information, le mieux serait que vous contribuez dans l'enquête là à travers information qui est capable de force de l'audio, la justice et la police, etc., qui vous permettent enquête là d'avancer. Voilà, porte-parole la police. Non, Michel Andujane, nous va gagner pour nous rejoindre encore dans le journal là. Sous question insécurité, en général, alors. La police écrasée, même la police avec gaz lacrymogène, avec bombal, manifestation étudiants, faculté de droit, tu as tenté organiser pour te sortir dans la faculté de droit pour monter pèlerin 5 pour aller déposer un jet fleur devant résidence, mettre Montferrier d'Orval, côté où tu es assassiné le 28 d'août qui s'est passé là. Manifestation a commencé devant faculté de droit et rue Oswald Duron. Après, étudiants ont fin organisé une cérémonie vaudou. La police a largué gaz lacrymogène sous pour être capable de gagner. Et manifestation, ça a reparaître de l'autre côté, puisque étudiants étaient en colère. Ils ont passé rue Oswald Duron, côté boulé une machine, service de l'État dans la zone marché Salomon. Et manifestation, après elle prend direction rue Chavanne, rive devant concernant station Radio Caraïbes, côté d'après elle dénoncé présentateur journal Première Occasion, Robert Céline, Bob C. Yo reproché la façon de traiter élèves qui t'a manifesté. Quelques manifestants, yo t'es même voyé wash sous local station, mais présence confrère non Jean-Monard Metelus. Après le faire calmer. Nous connaissons animateur et ramasser et puis à intersection. Manifestation étudiants, tu viens font seul à manifestation élèves lycée qui a demandé professeur dans salle classe. Une journée après, tu as pile violence qui était faite dans l'école privée dans la capitale la Canada. Et la police, tu viens paraître une autre fois encore sur route manifestants, tu écrasé manifestation ça dans rue Audin. Et manifestants yo te reconstitué et encore dans groupe yo te al devant faculté droit et sciences économiques là côté d'assa te gen véritable troqué con entre manifestants yo ak la police qui te voye gaz lacrymogène sur yon l'autre fois encore n'a pas vite tendé deux nan principal étudiants qui prend initiative depuis assassinat et bâtonnier pour faire mobilisation c'est Paul Kenel La Rochelle avec Julien Diems qui te parle comme ça dans le micro, Joubert Joseph. Bon, nous-mêmes étudiants, nous-mêmes citoyens, nous-mêmes militants, nous-mêmes haïtiens qui conséquent, qui voient que vague insécurité ça, qui vient dans le pays ça, vague criminalité planifiée ça, qui vient dans le pays ça, nous-mêmes, peuple souverain, nous prenons responsabilité nous. Nous disons que, à part insécurité, à part l'État bandit ça, nous l'État qui travaille pour une minorité bandit, qui a masculiné aux majorités. Côté la police, côté la police, qui a massacré mon bel air, côté la police, qui a massacré mon la saline. Destination, c'est pas les reliés. Nous disons c'est justice d'apprendre. Nous mettons des procès équitables. Mais nous disons avant de finir la fête, comme nous tendons, famille d'Orval, ou des soi-disant familles, d'après le pape, nous avons accepté pour le combat, nous avons pris un terme. Nous disons ça va passer, pas un terme qui a fait jusqu'à ce qu'il y ait arrêté, les gens qui trouvent le procès d'Orval, les gens qui planifient l'assassinat.
Voilà, c'est concernant tentative manifestation ça. Et puis élèves lycéo t'es dans la rue encore un jour après saccage canado haïtien qui provoquait en pile émotion dans le pays a pour gens ça passé que yo manifesté dans la rue ça yo ta cap comprendre mais entrer en dedans l'école là saccager l'école là craser machine tout professeur tout monde qui était là ça sont l'autre limite qui franchit et qui doit mander et de véritable réflexion responsable sous question ça est-ce que élève qui pas un professeur ou pas un droit pour demander professeur c'est oui mais est-ce que yo obligé à l'entrée dans l'autre l'école qui a travaillé pour faire action violent alors que déjà subi une violence eux-mêmes c'est non yo gen doit faire manifestation sous lieu dans l'école côté hier gen doit faire devant ministère éducation nationale et c'est on doit ça ta plus recommandé et en même temps tout ça montre irresponsabilité pouvoir gouvernement mais en même temps ça pose des problèmes fondamentaux dans ça qui concerne détérioration système éducatif haïtien. Cette semaine passée là Marvel t'a fait une émission spéciale pour te rendre une grande éducatrice qui quitte nous madame Fernand Prosper hommage et là-dedans yo te gagné Michel Soukar qui te font intervention rapidement te brosser un tableau sur histoire l'école privée yo. C'est particulièrement sous dictature du Valier que initiative ça yo vinn prend et dans période ça j'ai gagné de grandes écoles privées et vraiment de professeurs et parler de c'était l'âge d'or enseignement et en Haïti dans période ça et bien qui ça t'est passé parce que Duvalier était initiative dit te prend et pour te mettre un paquet intellectuel dehors parce que dans période tout avant Duvalier depuis le pays ça créé d'ailleurs une première école que nous gagnions c'était école d'excellence c'était lycée lycée Pétion lui-même l'entrée dans l'histoire mais c'était lycée c'était école d'excellence yoté qui j'en fait yo vinn tomber yo vinn craser jou fait la tomber dans gloire c'est pas joual pourri ça l'a longtemps parce que Duvalier pour capable régner dans pays hein il pas besoin monde qui ca camper devant il pas besoin de professeur l'a fait cou cap fait élève yo prend conscience dans tout lycée dans tout côté dans pays hein. Donc les jeunes nous gens débarrasser le dehors gagne était obligé courir aller en exil gen l'autre qui donne opportunité à quitter en danger ou quitter en tout cas l'organiser ak Nations Unies pour te voyer dans Zaïre et qui prend République démocratique Congo ak Patrice Lumumba qui te fait criver dans tel pays ça dans cadre indépendance et plusieurs pays et dans continent africain ça les décolonisation entre guillemets et bien li dit Michel Soukar rapporté c'est demain représentant UNESCO te mettre dans tête pour dire pour ouais un pays accepter pour la voir toute ressource il a exporté dans pays étranger et puis bien content pour ça tellement te gen moun k'ap vin inscrit dans bureau UNESCO pour quitter Haïti et vite ça pral créer et l'école privée yo pral émerger mais école privée de qualité d'abord mais en après nous connaît tout pral gon massification et de besoin de éducation dans pays et comme pas de gen ressource qui mette pas gen investissement qui fait et problème yo pral vini chaque jour plus et journée aujourd'hui nous non véritable barras d'ailleurs Haïti c'est un contre-modèle lié pour tout l'autre pays parce que ce pays pi fort l'école là sont l'école payée lié l'école payée li pas capable dans pays côté moun pas gen moyen pour vivre dans pays moun côté gen moyen pour vivre pi fort l'école yo c'est l'école publique yo al dans l'école privée sont exception et c'est moun ki gen gros moyen capable faire bon nous même c'est exactement l'inverse gen inégalité qui crée la donne au départ parce que c'est mesi pour mesi on gao et moun nan c'est côté le kakoke diakout c'est là la privée puisque c'est payer la payer l'école pour ti moun nan et ça vient bord de phénomène côté ti moun nan li pa connaît s'il passé il obligé kembe kanè l'en pral nan examen son paquet négociation et si que tout parent pas capable payer soutenir pour payer 9 mois l'école là ti moun nan li passé plusieurs temps ti moun élève lycée par professeur mais même professeur qui a fait couture dans l'école privée mais en pile ti moun dans l'école privée tout yo rate un paquet couture
Il y a trop paquet de coups parce que parents ne pas capé ils voient tourner. C'est une situation compliquée question éducation en Haïti. D'ailleurs tout tout l'autre dossier. Donc c'est pas une situation qu'on s'allie. L'important pour élèves yo connaît que même gens yo même yo a souffri. Souffrance ça qui inacceptable mais gen un paquet de souffrance dans pays a parce que son pays côté l'état li démissionné moun qui occupait espace dans l'état c'est privilège yo vinn joui et puis faire répression sur nous mais yo pas gagné responsabilité pour faire pays a marcher d'ailleurs ouais qui climat yo créé dans pays a son climat la pérèse qui sauté qui a fait nous malade qui a fait nous envie quitter pays a parce que c'est ça yo vinn faire. Alors que tout l'autre côté, moun ki nan responsabilité de l'État, li la pou fè apaisement, li la pou chèche solution, marcher rencontre la communauté, ou vraiment vraie communauté, yo, et c'est pas parodie de communauté, et travail sous question problème réel, yo, bay réponse, les problèmes yo paraît, nous pas dit que yo gen solution pour tout problème, mais si gen volonté, y a besoin. Et dans de gros problèmes, tant que question santé, tant que question l'école, tant que question environnement, écologie, communication, question ressources pour moun yo vivre l'état fait pour c'est lui-même qui devant pour joindre réponse yo c'est lui-même qui a entraîné l'autre moun yo naturellement l'ogon élite qui gen vision globale li très bon tout parce que c'est un rapport dialectique les l'état pas avancer élite la force il avancer mais élite la moyen gen en main c'est pas même moyen ak moyen l'état l'aim dit élite l'aim dit toute élite tout moun nan pays a qui non position qui capable et faire l'idée au passé qui capable regrouper pour défendre bien-être pays bien-être pays c'est d'être jeune qui bien éduqué parce que faut que génération qui là dépasser génération qui là génération qui va venir faut que chaque génération haïtienne est meilleure que l'autre génération qui était là c'est dans ça pays a gain espoir et faut que élite pays a tout moun qui a dirigé pays moun qui nan opposition moun qui nan sphère professionnelle faut que représenter espoir pour jeunes yo c'est ça qui permet que demain yo vienne représenter une véritable espérance pour pays donc c'est deux gros sujets qui méritaient pour nous débattre c'est pas nan al faire violence sur l'autre ti moun pareil parce que ti moun ça yo même yo traumatisé yo nan l'école yo pas responsable rien et n'ta tande directeur l'école la k'ap parler so bon ti moun c'est de l'eau famille a bat pour faire ben en pile fois c'est gros non tiché vous pensez que ti moun nan non gros l'école et puis moun yo ka payer c'est pas vrai non situation est extrêmement compliquée pour tout monde dans pays a et puis question l'école privée c'est lui même qui norme c'est une question qui mérite une solution c'est l'école publique de qualité qui doit norme et pour l'école yo même quel que soit côté ti moun nan yé qui ti moun nan porte à piment qui ti port mago qui ti Pétionville c'est ça qui c'est un projet de pays, un projet social qui a une vision là-dedans. Et il faut que nous baillons une espérance. Et puis l'école, pour nous finir, l'école, ça, si nous prenons la rue, il y a plein de professeurs là-dedans. Il faut que nous voyons ce de véritable enfer, l'école, ça, yo. L'État n'a pas investi là-dedans. Si nous retirons quelques graines, tant que le lycée Toussaint, le lycée Pétion, nous avons pris un peu dans le cobre, nous avons gagoté dernièrement, nous avons fait quelques réparations là-dedans. Mais l'autre l'école, qui ça, yo? Si moun nan ande dans l'école la faut li capable épanoui faut que dans l'école la gagne un mixité social faut li rencontre l'autre catégorie sociale même si ti moun nan sorti non un quartier qui déshérité li sorti nan une zone li sorti non famille pas gen moyen mais là dans l'école la faut li pas senti ça faut que dans l'école là c'est savoir qu'a distribuer c'est culture li gen possibilité pour faire sport li gen possibilité s'il veut faire musique pour faire gens ça te qu'on fait longtemps d'ailleurs tu toujours gen moniteur sport tu toujours gen groupe qu'a jouer musique tu gen fanfare tu gen tout bail ça dans l'école yo faut que l'école là vienne tourner un lieu de vie et un lieu d'espérance pour ti moun yo un lieu côté épanoui yo pas même veut quitter l'école là tellement yo joine possibilité là dedans regardez état l'école nous yo et n'a pas connait dans qui pays nous y est. Yo pas capable faire un pays ça. Donc c'est toute question ça yo qui méritait pour poser. Justice sociale là passer par éducation équitable. Parents pas casser yo cap tuer tête yo pour joindre l'argent pour payer chaque mois. Faut que l'état capable prendre responsabilité ça et constitution 87 la consacrer. Donc c'est des gens de bataille que on société parce que société a pas innocent non même gens nous pas d'accord petit monde va rentrer dans l'école à laguer l'autre l'école frapper l'autre petit monde mais société a tout il pas innocent c'est des débats national et social question ça yoyé
faut que nous prenions responsabilité dans la donne. Un monde qui a réfléchi sur le pays, sur l'avancement pays, ou pas grand quel intérêt pour gagner un paquet de monde frustré dans le pays, pour gagner un paquet de monde pauvre. Un pays comme ça, il n'a pas gagné avenir. Pays a pas gagné avenir, là que pays a pas gagné jeunesse qui bien formée, qui capable lui-même faire relève normalement. Nous sommes 9e, nous pouvons prendre 10e génération d'Haïtiens après l'indépendance. Non, ce n'est pas normal pour génération qui passe, tu as plus bien formé que génération qui a venu après le 21e siècle. Ça est désespoir total. Donc, nous pas fait pour nous tolérer situation ça. Et c'est dans toute échelle, dans tout étage dans la société haïtienne, pour question ça poser, pour montrer si nous avons pays ensemble. Si nous avons pays ensemble, il faut se préoccuper. Si nous n'avons pas pays ensemble, ça sont l'autre parole. Si c'est des flibustiers qui ont été venus, ils ont fait richesse, ils ont viré de quitter le pays, donc ça, c'est l'autre débat. Mais si son pays que nous la donne, nous bénéficions de lui, nous avons avantage de la donne, et les gens qui ont plus de plus, c'est plus de responsabilité, donc nous supposons préoccuper de la situation. Ça. Parce que la jeunesse dans la rue, dans des autres situations, c'est une grosse préoccupation que lié. Nous avons parlé de gaz lacrymogène, la police s'y maille encore journée jeudi. Concernant protestation élèves, yo t'a fait dans la rue Port-au-Prince et élèves lycéo et plusieurs élèves lycée encore avec l'école nationale yo qui était l'école qui abandonnait, mandé pour que professeurs viennent faire coup pour yo. La police une autre fois encore, seule réponse l'état a gain pour yo, c'est craser manifestation avec violence. Ça qui fait qu'il y a plus violent par rapport à l'autre élève, il a estimé selon eux-mêmes qu'il a dans la vie douce, et puis ce n'est pas vrai. Devant la faculté des sciences économiques, il y a un affrontement entre manifestants et la police qui n'a pas hésité à baigner à gaz lacrymogène et tirer bon balle. Vous attendez qui j'en sais-tu? Je dis parce que bon c'est fond des feuilletons. Ils ont maintenant étudiants, ils ont maintenant élèves qui savent ni payer. Bon c'est. Ils ont maintenant étudiants, ils ont maintenant élèves qui savent ni payer, qui savent ni payer. La tête au défilé. Quand vous êtes gentil, gang, il a protégé, ligué bonien vers eux. Nous même on arrive là, non seulement pour nous protester, pour demander justice. Nous pas cacher le professeur. Bon c'est pareil dans la joie. Pour la tête des étudiants avec les têtes, donc ils volent. Nous pas voler étudiants, nous élèves, nous pas qu'à voler. Pour ça demain le cas. Parce que c'est bon c'est qui traite comme voler. Nous pas voler et tisonnier nous pas gager le professeur manifester pour ça il y a traité de voler okay. Et au même qui sont devant là bon ça sacrifier c'est que moun sa yo m'a comprendre quoi faire ma gager le professeur ça les collègues qui veulent plus soirée c'est parce que plus que nous est-ce que c'est ça bon ben ça va prévoir que je dis à mes sacré les cas de briser pas ça me pas ça me devler mais si m'a pacifiquement pas pour qui ça yo dit nous venir devant radio caraïbe là nous venir parce que voler au bail pour bosser à couteau de bois cap proposer pour nous pour ta menti c'est ça. Ça le dit de nous. Qui ça le dit de nous? C'est que monsieur Wallo a parlé toujours de petit bail. Je suis là. Quand il va, je me dis vrai. Non, c'est ça. Nous venons les mecs, bail, casé, brisé à nous. Nous sommes nous en tant que jeunes. Gardez-nous pas qu'à garder pays comme ça. En tant que nous avons gardé l'avenir pays, c'est non, mais je viens lié. On va garder maintenant le frère d'Oval. Ça, on a toujours dit. À chaque fois, on a la rue. Ça, c'est la rue. Pour me mettre en justice, sécurité, la mangeaille. Pour nous mettre en quoi dans le poche. Parce que je viens de dire, la mettre l'argent dans le poche. Nous ne pas gagner le courant. Nous ne pas trouver le jour où il y a la fou. Nous ne pas gagner courant. Non, non, mouvement élève à étudiant. Ça veut dire nous pas qu'à garder pays à définir comme ça. Non, mais nous, mais qu'on y a fond ma gagri, il y a besoin de $200. Et puis, il était bien, bien cher. Marchandise, pour du premier nécessité, pas jamais descendre sous marché. Comme Petro Caribe, non, mais avis pays, non, mais il faut le remettre. Pour que ça, je dis, nous venons devant Radio Caraïbe là. Pour que ça vienne, nous, et essentiellement, nous venons avec vous parce que Bob, c'est 10 matin, étudiant avec élève l'école, c'est volé. Je dis à nous camper pour nous dire Bob, c'est, nous pensons qu'on fait toute bagaille sauf journaliste ou bagaille. Parce que je dis à, déontologie, éthique métier, Bob, c'est pas respecté. Nous allons passer 400 marozo et je dis à l'après dire encore, nous c'est étudiants, nous c'est la jeunesse, nous avons pris grand nous pour une bataille. Si on mettait université, c'est pas qu'on sortait jeune. Dans condition mettre lycée, c'est pas la condition sortait jeune. Nous avons dit journal, c'est bien côté mal calculé. Massacre la saline, massacre belé. Je dis avant aller, nous faisons sacré les pour nous faire jugement quand même. Revable et journal ou pas la prison quand même. Abba Jovenel. N'a pas fait la sac. N'a dit, on a tout le
gouvernement de pays. Nous venons fort. Gouvernement ça, il est fini. Là, dit tout le monde. Mobilisation marche longue jusqu'à ce qu'un jeune arrête la prison de la rue. Et c'est l'Haïti, ou en face à élève lycée dans la rue, a demandé de départ au président dans le pays. Qui ça y est? Nous sommes sous Dival, les avons fait, mais sous journée, ça avait fait encore. Ça veut dire. Et là, c'est au gré de la saline, c'est au gré de Belé, c'est au gré de Tibo. Voilà, problème ghettoisation sociale dans l'école, dans le quartier, dans le micro, à Mosbreville. Non, ça qui concerne les gens de manifestation ciblée, ça nous dit faire attention à l'intolérance. En même temps, tout journaliste, il connaît, il faut que vous ayez une parole responsable, les traiter quel que soit le dossier qui est très compliqué. Mais en même temps, tout, il faut que nous éviter pour ne pas venir empêcher l'expression, que nous gommons pour la liberté d'expression pour les gens capables de parler. Gaz lacrymogène te tiré Triboy et Babor et côté te gen nan quatre mouvement protestation sa yo k'ap mande justice k'ap mande professeur et nan l'école yo nan interview Libéré Radio Kiskeya syndicaliste Le Bien Joseph qui président syndicat employé dans l'hôpital général et fait qu'on ait plusieurs bonbonnes gaz, la police tiré qui tombait dans la coupe de l'hôpital PIA, alors que il y a trois jours, et gaz lacrymogène et touye yon ti moun qui était déjà malade dans pédiatrie. Et ça par breeding la police, hein, qui par épanier l'hôpital, elle a tiré gaz lacrymogène. Il déclarait malgré yon te parlé avec policier, yon pas t'occupé yon, il demande autorité la police, yon au moins respecte yon minimum dans ça qui concerne maladie. N'attendez syndicaliste Le Bien Joseph, président syndicat employé l'hôpital général. Vous avez parlé comme ça dans le micro, Laurie Lichen. La police vient, la plancher gaz dans toute direction faculté, hein? Mais faculté doit li coller avec l'hôpital général, avec mille hôpitaux là. Par exemple, il coller avec ophtalmologie, il coller avec dermatologie, il coller avec chirurgie, il coller avec médecine interne, ouais, il coller avec dermatologie, urologie, pédiatrie. Non, même c'est même ça, nous connaissons un petit bébé qui est mort à cause du gaz. Et mais je dis, nous si tellement lancé gaz, il y a un bon gaz qui tombe. Dans la cour l'hôpital là, on a parents malades, apprenti moun, ok, apprend maladie qui fait qu'une opéré a couru pour chercher un petit côté pour être capable de mettre. Ouais, nous et les plusieurs stations radio pour nous faire un cri d'alarme pour autorité, si tout autorité la police, on a un minimum respect pour maladie. Pour moi, il y a un malade qui n'a 2 ans qui n'a pas qu'à opérer. Si tout n'a orthopédie, on apparaît, il y a un mandat pour opérer là. Ou du moins, il n'y a pas qu'un corps boiché en Américain. Il y a l'État qui a abandonné. Yo. Mais l'État n'a pas supposé qu'on y a là, mon nom. Mais même manger, oui, mais mon repas chauté qu'on a, il n'y a pas bâillé qu'on y a. Bon, c'est qu'on y a là pour se gazer à prendre. Nous-mêmes, en tant que syndicalistes, nous révoltons. Qu'on y a, est-ce que les services ont commencé à fonctionner dans l'hôpital là ou bien tout bagaille campé? Qu'on y a, nous, on s'est calmé. À part, vous comprenez? Je ne vois pas de choses, pour moi, je ne viens pas respecter la vie moi-même. Parce que soit vous arrivez dans un niveau malade, soit vous arrivez dans un niveau malade, vous ne pas respecter, pas besoin de vous. Malade, la couche sous cabane, c'est moi qui a fait tout le bagaille. Et puis, pour la police, elle a tiré le gaz là, pour ne pas connaître l'hôpital là. Et nous disons ça, les a passé dans l'hôpital là, les a voyé le gaz là, pour épargner maladie. Tout ça nous dit à vous que vous n'avez pas attendu. Si tout, je dis assez ouais pour ta ouais. Par exemple, on prend médecine interne, toi qui es malade, c'est le monde qui fait care. Ok, qui a un problème, qui a un problème respiratoire, il y a oxygène. Des malades qui ont oxygène, parents obligés de courir à l'oxygène, puis courir à courir à malade. Là, c'est ouais pour ta ouais, ça. Voilà, c'est président syndicat employé dans l'hôpital général, syndicaliste Le Bien Joseph, dans le micro, Laurie Lujeune. N'a pas premier campé. Hier, menace sa yo. Dans l'interview sa l'Bay Radio Kiskeya, jeudi, ancien parlementaire attire attention population ensemble avec communauté internationale là sous menace nan mort sa yo qui gen à la fois sous tête et sous tête famille dans commune Ferrier. Il fait connaître agent sécurité, agent exécutif intérimaire dans tête mairie a déjà attaqué ferme agricole li gen dans département. N'a pas tendance sénateur Jacques Sauveur Jean dans micro Villeneuve Joseph. Rubrique d'assassinat pour ne pas passer la donne, mais essayer de dénoncer avant même que je sois capable de faire place, puisque autour de moi-même, moi je joins des hommes armés qui fouillaient autour de fermes agricoles de Miran et qui ont agressé fermement à travers matériel que je viens dedans, ils ont été écrasés, ils ont brûlé et qu'on rubrique a déroulé là avec des hommes armés dans
commune côté Mia et des mondes qui identifié clairement des employés de la mairie de Ferrier qui a lancé des propos assez ridicules à mon égard et sous des prétextes de construction de routes qui au ralenti sous des accusations assez fortes qui capable faire que opposer des actions immorales et tout pour nous constater. Donc moins alerter l'opinion nationale au plus haut niveau pour permettre de telles situations capables de réprimander ou du moins qu'ils font coup d'œil sur la commune Ferrière car ça a passé spécialement aux environs de la Carême qui vient madame moins petite moins et moi-même qui vive en cercle de bandits et après à faire n'importe quelle action. Que ça t'a dit, c'est magistrat qui est action ça. Des visages bien connus qui travaillent pour la mairie, sécurité par exemple, et magistral dans toute activité ça, à l'œil nu, tout le monde a regardé. Et à côté de dénonciation faite à travers la presse, est-ce que vous également portez plainte pour devant des autorités judiciaires? Exactement. Ça m'a pris du temps pour être capable de joindre un juge qui t'a accepté de venir faire constat de dégâts au moins. Puisque dans le premier juge qui me contactait, il n'est pas un juge de guerre, il est un juge de paix. Il fait constat dans la communion, mariage, baptême. Ça, c'est pas bien, il parle là-dedans. La police qui était passive, constat devant, il y a plus de monde qui a fait action, c'est devant la police, il y a fait. Donc tout le monde campait, et finalement, nous avons besoin de support, et un backup, Hugo, qui est venu accompagner un juge de paix pour faire constat légal là, et faire constat, et avocat Sidna, avocat Samaricole de Miran, et prend en charge pour faire suite légal. Alors d'après vous-même, qui est-ce qui a poussé Mounzao pour t'avoir atteint la vie? Ça qui poussé à faire atteindre la vie bâtonnière. Pas qu'on est, ça qui pousse à faire atteinte à Jean-Dominique, pas qu'on est, qui pousse à faire atteinte à paquet de monde qui a mouru en Haïti, pas qu'on est, politique. Donc, mon bon odeur comme ça, je pense qu'il est important que m'alerte l'opinion nationale avant qu'il soit total. Comment magistrat a fait regarder les sénateurs? Bon, oui, pas si franc. Monsieur, c'est adversaire politique ou? Bon, même pas qu'on est adversaire politique, parce que même toujours une position ferme et fixe, mais c'est pas type de monde pas allé politiquement. C'est une famille politique parler. Vous-même, vous avez voté élu sous PHTK, lui-même sous Gibagne, dans l'élection, dernière élection. Quoi, c'est sous vérité élu, mais constater que il y a des employés qui, en permanence, fait action au soin. Ça veut dire que les nègres qui ont fait bagaille, 4, 5, 6, 7, 8 nègres qui ont fait ça, qui ont fait ça, c'est des nègres. Voilà, ancien sénateur Jacques Sauvé-Jean qui dénonçait menace. Nous avons subi un férié dans le micro Vilner Joseph. La Fédération nationale Kazakh, FENACA, qui dit la prendre avec un pile qui est serré. Nouvelle la mort, directeur finance locale dans le ministère intérieur et collectivité territoriale, M. Nossi Saint-Rémy. FENACA rassemble voix 10 associations départementales Kazakh avec toutes 572 sections communales PIA pour voir sympathie by famille, amis avec tous collaborateurs et dans le ministère intérieur, l'amorce a frappé. Et directeur Nossi, c'était un bon collaborateur d'après sa note là dit, plusieurs générations Kazakh et Konen, c'était un sage qui était toujours mettait disponible et disposé pour service collectivité à sans force côté d'après ça le préciser. Le mot directeur Nossi qui était un vide dans collectivité yo en général ak nan famille Kazakh yo en particulier. FENACA a partagé deuil ça et puis souhaiter condoléances à famille directeur Nossi. Et pendant Nabdi directeur Nossi bon traversé non li a prêté gravé dans mémoire nous tout Kazakh en dedans pays a et c'est Paul André président FENACA qui signe notre condoléance. Nous prenons dans Tigouave côté un groupe militant qui membre diverses organisations populaires te fait une marche jodi a dans cité Faustin-sous-Louclon contre insécurité et te gagne plusieurs dizaines par quatre tout qui était dans main yo et côté yo te montré une situation qui très sombre pour pays a avec photo divers monde qui mouri assassiné sous gouvernement Jovenel Moïse. Plus d'états correspondant nous René Innocent des Granges. Sécurité qui gagne dans le pays. Et vous êtes capable de voir que, avec un tableau, il y a plus de 5
qui mourir sous carbone l'hôpital, mais c'est le monde pour voir Jovenel Moïse assassiné. Voilà, c'était massacre qui était fait jeudi à Antigouave, dans le micro correspondant non, René Innocent Desgranges. Non, NIP, responsable mouvement femme dans Miragua, ancienne candidate pour poste sénateur, Madame Marie-Cam Sinéas Dumelfort, dénonce zak insécurité qui blaye tout partout dans le pays. Li mande autorité la justice prend responsabilité pour arrêter assassin yo kap si men deuil tout partout dans le pays. Loujane Jocelyn pour plus de détails. Responsable mouvement femme en Miragouana, Mofa Marcam, cinéaste à Dumelfort, montre très préoccupé devant climat insécurité cap valé terrain dans pays a. Dirigeant organisation femme nan qui estime situation climat insécurité ça pas qu'à continuer en dans pays a, mande toute entité qui dans système judiciaire pour prendre responsabilité ou mettre en bas code tout bandit cap si mède dans mitan population an, pendant le profiter plaide en faveur bon côté population an, pour dénoncer et puis porter plainte contre tout monde dans population qui représente un danger dans communauté à vivre là. Madame Marie-Cam Sinéas Dumelfort. Alors, dans ce sens, moi-même, ça me t'a qu'à dire, premièrement, m'a demandé l'État haïtien, la justice, fait travail, commencer by population en justice, pour lui-même, pour le connaître, l'aile ou un bagage qui passe, elle est capable de dénoncer, parce que le connaît, peuple a besoin de justice. Alors, je pense que son travail d'ensemble, lui demande pour tout le monde mettre tête ensemble, mais étant donné que l'État, c'est lui-même qui cerveau, c'est lui-même qui responsable pays. Alors, je pense que l'État doit vraiment mettre ceinture en serré. Tout le monde prend responsabilité. Pas la guerre ou responsabilité son président de la République, mais chaque monde a un rôle. Nous sommes capables de dire président a un rôle, le premier ministre, le directeur, la justice, avocat, juge, commissaire, gouvernement. Tout le monde a un rôle, rivé sur la population. Parce que si on ne fait pas la communauté, on ne pas dénoncer, c'est que nous sommes complices. Ancien candidat pour poste sénateur Niplan qui reconnaît à l'État haïtien a un gros rôle pour le jouer pour nos soucis pour combattre le phénomène d'insécurité. Toutefois, mandé tout secteur en de pays pour porter coller pour comment population ka rive ralé en souffre en bas climat insécurité ça qui veut finir à population haïtienne depuis Miragouane métropole NIP Louis Jeune Jocelyn Radio Kiskeya. On a pris en direction la Tibonite. D'abord, dans bas la Tibonite, là, coordonnateur plateforme organisation pour libérer la Tibonite, Paul Da, Maître Ronnie Pierre, critiqué autorité, il dit qu'il remet un bandit pays, et même gens avec département. D'après les mêmes paysans, ils pas qu'à vivre encore, puisque là où travaille, c'est bandit qui vient récolter pour eux. Plus de détails avec Bilsa Madis. Coordonnateur plateforme organisation pour libérer la Tibonite Paul Da, Maître Ronnie Pierre, qui condamne façon li di bandi yo a opéré, théorisé population haïtienne nan, sans autorité yo nan pouvoir central, pa jam di rien sou ça. Dirigeant Paul Da, Maître Ronnie Pierre, di li étonné pou loin nan ki sa insécurité a la gèvale la Tibonite côté paysan yo pè, yo pa ka travay et même si yo ta travay, bandi ka vinn récolter pou yo. Responsable Paul Da lague tout ça sous dos autorité. Je dis à vous, je viens de tribo à travers le pays. Dans toute section communale, l'on vient dans la Tibonite pour jouer une insécurité qui est vraiment planifiée. Dans sa vie, pas de monde qui a passé. Dans la route nationale, et Kafoupe, pas de monde qui a passé. Population liée aux abois. Donc je dis pas de personne qui a défendu la population. Parce que je dis pas de monde qui va le défendre. L'on est la police, n'est pas capable. Il n'y a pas de machine. Donc je dis nous d'accord, il y a une insécurité qui avancer comme ça. Je veux dire, enfin, ouais, valer la Tibonite, il faut qu'il y ait des donc, son insécurité planifiée. C'est pour la première fois, nous avons constaté avec un peu de consternation, côté que nous avons un bâtonnier qui tombait en bas de balle assassin. Donc, ça a révolté consciencement en tant que militant qui a bataillé pour l'état des droits. Coordonnateur plateforme, organisation pour libérer la Tibonite, là, Paul Da, Maître Ronnie Pierre, fait qu'on est les deux achats à qui ont série organisation dans le département de la Tibonite, là. Pour prendre responsabilité envers paysans plantés. Balatibonit Saint-Marc, Milsamadeus, Kiskeya. Nous allons aller toujours dans la Tibonite Gonaïve, dans une conférence pour la presse aujourd'hui. La police en Gonaïve a annoncé qu'il arrivait à arrêter 5 personnes accusées qui n'ont activité. Zenglendo, d'après porte-parole la police de la Tibonite, inspecteur Max Saint-Preux, individu ça a arrêté d'après avoir eu des armes illégales dans la main. Association malfaiteur et puis d'après avoir braqué moun dans le département, Josué Jean-Baptiste pour plus de détails.
Dans la conférence, après-midi mercredi 9 septembre 2021, la police dans la 4e ville pays a dressé bilan de dernier coup de filet offert dans la cité indépendance. Porte-parole police la Tibonitlan parle yon côté de Pierre Kempsley ak Celestin Lopidson qui yon arrêté pour braquage, vol de nuit ak lot suite à cambriolage qui était fait dans l'église dans Kajoj, yon localité dans ville Gonaïve. Yon l'autre côté, inspecteur Max Saint-Pré confirmé arrestation de trois individus qui étaient gagnés en possession de trois armes dans un checkpoint agent PNH ont fait week-end passé à 5 mouns sa yo pou kounye a, d'après porte-parole police la Tibonitlan déjà transféré devant la justice poursuite légale yo. Inspecteur Max Saint-Pré, c'est porte-parole police la Tibonitlan. Monsieur Sayo spécialisé dans vol de nuit, armée, détention illégale d'armes à feu et association de malfaiteurs, braquage aussi, et ont été utilisés aux armes artisanales. Premier a relé Pierre Kensley, monsieur fait 20 juin 2001, et deuxième nan relé. Alors Pierre Kensley, il y a un petit nom, vedette X et Nickel, et Celestin Lopidson, il y a un vedette qui est Lolo. Et c'est ça qui permet nous tous capables de récupérer matériel que monsieur a été volé dans l'église. Parce que puisque nous, les nègres qui viennent arriver dans le commissariat, nous allons correspondre à profil monde. Nous avons opéré dans la zone de Kajoj, la police, et lors de check à l'entrée de la ville, entrée sud de la ville de Gonaïve, tu as réussi à arrêter trois jeunes garçons. C'est Raymond Leonardo, Jean Jackson, Etienne Jeff, et que monsieur, à bord de un véhicule, que monsieur Sao été détenu environ 3 ans. Les gros fusils avec 2 pistolets. Zam illégal. Zam illégal, parce que même les gagnons dans Zamio, selon l'information que j'ai, ils ont fait déclaration pour lui. Mais déclaration pas autorisée ou circuler avec Zam. Donc, monsieur, déféré par devant qui de doit pour la suite. Porte-parole police à Tibonitlan continue à demander collaboration population pour permettre la police river mettre main dans pas de cassave tout bandit sans foi ni loi qui fait des ordres dans la cité à Gonaïve. Josué Jean-Baptiste Kiskea. Non, nord-ouest, on a une conférence pour la presse responsable UNO département. Dans le département, ça, professeur Clavel Gérin, demande justice pour mettre mon ferrier d'Orval. Bandi assassiné la Kaili, jou qui était 28 d'août. Le fait qu'on ait appuyé tout mouvement qui a fait dans le pays pour faire lumière sur le crime, ça, pendant le mandat, puis bon conditions de travail pour enseignants. Plus de détails à correspondant dans le nord-ouest, Saint-Jean-Wiskis. Même Jean avocat à travers le pays qui paralysait toute activité, on a fait manif pour demander justice pour collègues, mettre mon ferrier d'Oval, assassiner tout et pour faire l'autre président. Enseignant autour dans le nord-ouest qui solide dans ce sens-là, vieux appuyer toute forme, mouvement qu'a fait en dans le pays ça, yon manière pour lumière capable de faire sous la mort bâtonnière, mettre mon ferrier d'Oval, selon responsable UNO, branche nord-ouest, professeur Clavet Gélin, qui continue à demander bon gens traitement pour enseigner yon, même j'ai à mettre d'Oval, l'idée qui toujours réclamé bagay sérieux. Pour pays ça, pour ce que la nous-mêmes, dans le nord-ouest, dans UNO, nous ressentis la mort de M. Doval comme une perte nationale. Et en tant que tel, nous appuyons tout mouvement qui a fait pour réclamer justice à la nation haïtienne, en la personne, M. Monseigneur Doval. M. Monseigneur Doval, c'était un haïtien, c'est un professeur d'université et qui baille tout ça qu'on est pour pays. Dans le terme de bon, nous mettez fin brutalement à sa vie et nous réclamer justice. Mais en passant, nous dit, pendant M. Monseigneur Doval, c'est toujours ça c'est bon bagaille. Nous-mêmes, comme syndicat enseignant, nous toujours demandé pour l'État respecter les revendications. Qui c'est un salaire de base de 75 000 gouttes, un cadre de débit de 30 000 gouttes, qui c'est un ajustement salarial et application de grille salariale. Nous disons qu'on a une bonne assurance pour tout enseignant à travers le pays pour l'éducation qui a sorti côté de là. Enseignant dans l'Ouest, encourager tout secteur dans le pays ça, continuer à être mobilisé jusqu'à ce que Bonjour Lumière table sur assassinat et mettre mon ferrier d'Oval parce que selon enseignant ça, 100 mètres d'Oval pas couler pour grand messie. Saint-Jean-Wiskis, pour le père, Radio Kiskeya. Et puis dans le Nord-Est, policiers dans le commissariat Montbécochia parlent de difficultés, ils ont gagné, même pour rejoindre de l'eau pour servir. Et d'après sa correspondante, nous faisons connaître, selon le responsable commissariat, ça est obligé de marcher plusieurs kilomètres pour aller chercher de l'eau dans le kit pour servir. Benoît Lafontaine pour plus de détails.
policiers qui cantonnent dans le commissariat à Montbécochien ont eu grosse difficulté pour jeter un petit goût de l'eau à cause de l'eau qui parcourt dans le robinet depuis un bon bout de temps. D'après l'inspecteur ou les Mathurins, parfois c'est combien de kilomètres pour marcher avec un petit galon pour jeter un petit goût de l'eau. Il dit c'est le plus gros problème que vous avez eu. C'est pour dire que vous avez eu un problème d'énergie pour qu'il n'y ait pas de problème ça encore parce que le directeur départemental de la police nationale Nord-Est résout le problème ça. Pour Yokonia. Mais vite entendu, inspecteur police commissariat à Montbécochien, Willem Mathurin, qui a expliqué dans le micro, radio qu'est-ce qu'il y a. Je ne vais pas monter dans le robinet commissariat, pas passer 2 km pour nous aller, on a cherché de l'eau avec galon, avec bouquet, et c'est un petit problème nous rencontrer dans le commissariat. Il n'y a pas longtemps la figure au blackout total capital, le commissariat, comment ça a résolu? Mais tu es résolu? C'est pas directeur départemental là, il y a un particulier passé, avant ça, le niveau est résolu. Inspecteur a demandé pour que le comité loi dans la commune Montbécochien capable de résoudre le problème ça pour yo de façon pour que l'eau soit capable de servir comme ça doit. Montbécochien, Nord-Est, Benoît, La Fontaine, pour Radio Kiskeya. Merci d'avoir entré dans votre prince. Quelle que soit l'occasion, président Jovenel Moïse Jeune, d'y profiter pour lui servir avec dans le cadre et ça l'est en main comme une véritable campagne depuis plusieurs semaines politique. Pour le servir avec adversaire yo attaquer divers groupes et li pas traiter occasion sa journée jeudi encore côté ta probette bail un groupe jeune qui t'a réussi concours ministère affaires étrangères t'a organisé 30 en tout pour intégrer diplomatie haïtienne dans occasion cérémonie ça pour jeudi dans palais national côté jeune lettre nomination yo puis à l'intégrer diplomatie haïtienne après au fin réussi un concours ministère affaires étrangères était organisé qui fait yo pral intégrer académie diplomatique Jean Price-Mas dans cadre programme master 2 dans diplomatie à coopération internationale et bien président a profité occasion ça pour te voir un message by classe politique Jovenel Moïse encourager tout groupe politique qui dit yo gen solution pour pays pour mettre tête ensemble d'après ça il dit pour joindre un accord la paix dans intérêt pays toujours il déclarer bataille pour kembe pouvoir puis du passer toute bagaille dans pays Jovenel Moïse fait connaître question pour monde penser yo capable bénéficier gros contrat pour faire l'argent dans n'importe qui condition parce que yo té aidé yon moun vin président bagay sa fini bon et pas chaque jour gen élection présidentielle dans pays de qui est-ce parler li fait connait li pas regrette et li commencer couper quelques contrats pendant li tout profiter accuser système Jovenel Moïse te tout bay quelques détails pour montrer quantité l'argent l'état te kon dépenser dans cadre contrat énergie n'a attendé nous l'autre fois encore sous dossier ça qui c'est youn nan dadal. Il te parle comme ça dans le micro, Vladimir Maurice Ridori. Moi, dans des rêves, nous, quel que soit côté de vivre dans le pays, côté insécurité a frappé nous, m'entendez ça. Et moi, pas arrêté indifférent. Ma goumé, ma travail, mais pas oublié. Tout problème nous dans le pays, il y a toujours bon mettre. C'est pour ça ma bataille pour que le problème qui vient, il va résoudre. Parce que non seulement nous avons goumé avec acteurs affaires, mais nous battons pour nous goumé avec mettre tout. Parce que c'est pas possible. Haïti nous revenons tout là. C'est pas comme ça nous amène un jour changement que nous réveillons. C'est pas nous gourmet on accorde. Jodia, c'est moi qui campe sur la tribune. Ça. Demain, c'est vous-même qui allez venir camper sur lui. Nous sommes en démocratie. Nous ne pouvons pas camper sur lui. Après, c'est comme vous allez. Mais est-ce que vous-même qui allez venir camper sur lui, vous pensez que Jean-Saël Jodia, la capacité comme ça pour nous-mêmes où il veut. Pour le changer, c'est nous qui mettons tête ensemble aujourd'hui. C'est nous qui pouvons d'accord, nous-mêmes, qui décidons de faire politique en Haïti, qui pouvons dire politique jusqu'au bout de cela, par contre, côté le même pays. C'est lui qui m'a prêché depuis le premier jour, monter sous le pouvoir pour me dire non, ça n'est pas capable. Les femmes que m'a fait, je connais, je suis. Ça veut dire que je fais mal. Mais je fais mal à un groupe qui parle bien-être peuple. Je fais mal à un groupe qui a dirigé, qui a coupé, qui a lâché, groupe ça. Je toujours dit, je nage dans des eaux troublées. Je dis à pays, il faut nous nager dans l'eau claire. Il
faut nous chaque, nous camper, nous fermer à coup pas nous, pour chercher faire un nouveau départ paysage. Pays n'a pas qu'à considérer tant que son bicyclette, chaque monde besoin de un petit coup. Ça veut dire, le peuple décide, le bon pouvoir, tout le monde. Monter président va obliger à gommer pendant 5 ans pour gagner le pouvoir. Vous comprenez ce que ça veut dire? L'on a construit le bord Jérémy, on a construit le barrage Marion, on a construit la route pour de paix, on a construit le barrage sur la Ternerie, on a mis les lumières, on a gommé, mettre les lumières dans le pays, et puis on a gommé pour gagner le pouvoir tout. Bataille gagner le pouvoir, puis aide que toute l'autre bataille. Parce que depuis le jour où monter président, c'est un coup de monde qui dit, son jour, vous devez le pouvoir. Et pourtant, 3 ans, 7 mois après, disons 3 ans, 6 mois, je dirais, après, moi, parler pour qui ça, bataille ça, bataille rangée pour contrôle, pouvoir politique ça. Parce que moi, je voulais dire aujourd'hui, je prends le peuple haïtien comme témoin, que bataille pas jamais qu'à faire de contre le peuple. Cette histoire, on est venu pour le bon contrat, et du coup, il y a des millions qui fait parce que vous t'es aidé au monde d'une président, ça va jamais qu'à faire de contre le peuple. Parce que, nous connaissons la génération ça, quand venir là, il n'y a pas meilleur de courage, et c'est pour ça que je dis tout. Contrat l'État, c'est pour le public. Cette histoire de clause confidentialité en d'un contrat l'État, c'est contrat peuple. Ça veut dire, si c'est une loi qui prend pour ça, c'est pour le peuple. Les contrats de sécurité nationale, c'est normal. Le contrat qu'on fait pour la police, pour l'armée, pour se parler de nouvelles technologies, par exemple. Il y a des contrats qui viennent de clause de confidentialité parce que c'est des contrats de sécurité nationale que vous mais en fait, contrat côté l'argent peuple, l'argent pao à dépenser, il faut qu'on ait dans quelles conditions. Parce que mon président, il fait un vendredi 6 juin, il fait 2 ans à chercher 5 contrats dans le pays. Un vendredi 6 juin, comme président. Président de la République, chef de l'État, il fait 2 ans à chercher 5 contrats. Il m'a dit, non, c'est un peu le courage pour me venir. Il aime venir un contrat à eux. Il m'a dit, non, c'est commencement, tribulation que m'a connu. Dans notre pays, c'était pas grâce à eux que nous déjoignons. Malgré que nous déjoignons, malgré tout, quand ils nous ont coupé, et bien dans tout, ma bataille avec eux pour venir mettre le pays, pour retirer l'État en bas griffe, ça m'a lié. Parce que l'État supposé là pour servir la nation, l'État supposé là pour servir le peuple. Mais c'est pas ça. Ma vive là, comme chef d'État, son l'État en coup qui baille dos à la population et puis baille face à une minorité. Mais c'est des minorités ça. Je dis à Paul prendre conscience pour nous tous mettre tête ensemble pour nous faire pays. Parce que là, quand il y a un côté de aller, les 5-6 mounes, gourmands, ils boulimiques, vont être plein à manger, toujours à manger. C'est ce que vous avez pour eux. Nous avons même dit samedi que. Le kilowattheure, je dis à que nous avons négocié un contrat à long terme à 8 centimes, même kilowattheure s'est attaché à 32 centimes. Dans l'école, nous sommes des intellectuels, on fait un petit calcul. Un des exemples, on a vendu bon l'État haïtien 100 kilowatts, 100 mégawatts, ça veut dire 100 mégawatts égale à 100 000 kilowattheures, 100 000 kilowatts. On a dit que nous divisons 100 000 kilowattheures, multiplié par 8 moins 32. Et de 24, fait calcul là. Pour moi, qui croit en plus que l'État te pour payer longtemps, s'il te décide d'acheter 100 MW, quand surtout Port-au-Prince, pour Port-au-Prince marché, il a besoin de 600 MW. Pour Port-au-Prince normal, ça veut dire qu'on bon monde qui a fait industrie dans Port-au-Prince, qui a produit courant en projet en autogénération, ça veut dire qu'on produit pas courant par eux. Fait calcul là. Ça, yo, est-ce que nous avons accepté? Est-ce que nous avons d'accord si nous avons besoin de développer un pays? Fait calcul différence qui est entre 32 moins 8, multiplié par 100 000, multiplié par 24 heures, multiplié par 30 jours, multiplié par 12 mois, multiplié par 20 ans, qui s'est duré contre sa route, 15 ans, 20 ans, 10 ans. On a parlé de plusieurs milliards de dollars. C'est ça, lui. La déclaration pour tes signatures, Jovenel Moïse, c'était dans l'occasion. Côté d'État pour remettre la nomination par 30 jeunes qui va l'intégrer diplomatie haïtienne. Dans le ministre des Affaires étrangères, Claude Joseph, salué, n'a pas cité volonté président qui accompagne, d'après ça, dit, n'a pas cité toujours pour réforme faite dans la diplomatie haïtienne. Non? Il était parlé comme ça, dans l'occasion de la cérémonie, dans le micro, Vladimir Maurice Ridoré, qui était un journaliste qui était présent.
cadre dans la fonction publique à travers l'Académie diplomatique du ministère des Affaires étrangères. Excellences, Monsieur le Président, comme vous me l'avez instruit, les changements qui se font actuellement dans la diplomatie haïtienne sont le fruit d'une politique de transformation basée sur les principes de la méritocratie et de l'équité. Ces principes donnent tout son sens à la cérémonie de cet après-midi. Ce sont ceux qui vous ont poussé à accueillir aujourd'hui les nouveaux cadres qui vont intégrer les services centraux de la chancellerie haïtienne. Cette importance que vous accordez aux jeunes est sans précédent dans la diplomatie haïtienne. Ce souci que vous avez d'être en contact avec les plus humbles, particulièrement ceux qui n'ont pas de parents, mais qui choisissent la voie de l'effort et du mérite, inscrit votre action dans la lignée de celle des pères fondateurs. Au nom de ces jeunes, au nom de leurs parents, au nom du pays, nous vous disons merci. Excellence, depuis ma nomination en qualité de ministre des Affaires étrangères, je conjugue tous mes efforts à mettre en œuvre cette réforme exigeante qui vise à renforcer notre politique extérieure, à rehausser l'image d'Haïti à l'étranger et à défendre les intérêts du pays profond, toujours au nom de l'égalité, des chances et de l'excellence. Voilà, c'est ministre affaires étrangères gouvernement de facto à Claude Joseph. Nous avons un lauréat concours ça, qui c'est Jesse Junior Massé. Bien entendu, remercier le président à tout ministre. D'après avoir intégré l'administration publique là, il a continué à avancer dans l'étude diplomatique. D'après ça, il dit, il a tout profité, rappeler quelques étapes qui ont été passées dans le concours ça. Et c'est 117 jeunes qui ont participé là-dedans. Et nous avons Jesse Junior Massé, lauréat dans le concours. Toujours dans le micro, Vladimir Maurice Ridoy. L'exemple de concrétisation de l'égalité des chances peut promeut la Constitution. Car c'est seulement le critère de compétence qui peut expliquer la présence ici de jeunes intellectuels de la classe moyenne, issus pour la plupart des zones les plus reculées et les plus défavorisés du pays. Votre présence ici, Monsieur le Président, montre que votre administration mise le plus sur la valorisation des compétences et sur l'intégration sociale et économique des jeunes, tant réclamés par les bien-pensants de la nation. Il est donc utile de souligner que, pour arriver ici, nous avons franchi trois grandes étapes de concours à fort contenu académique. La première consistait dans le dépôt d'un ensemble de pièces préalablement requises pour vérification de leur authenticité et de l'éligibilité de chaque candidat. À l'issue de cette première étape, nous étions au nombre de 117 participants. Ensuite, venait l'étape d'un examen écrit basé principalement sur cinq matières, à savoir l'anglais ou l'espagnol, les connaissances générales, la culture générale, l'histoire et la philosophie. Et après l'examen écrit, nous étions réduits à un effectif de 45 participants retenus pour la dernière phase qui consistait en l'examen oral. À cette dernière phase, nous avions été évalués sur les questions se rapportant à la diplomatie, à la coopération internationale, au droit international et aux relations internationales. Finalement, les épreuves orales ont donné lieu à la sélection des 30 jeunes devant constituer cette troisième promotion de l'Académie diplomatique Jean-Paul Mars. Tout cela témoigne de l'exemplarité de cette opportunité qui nous est offerte d'intégrer la diplomatie haïtienne dans un contexte particulièrement difficile. Voilà, c'est Loréa qui t'a parlé comme ça, Jesse Junior Massé. Et puis Jovenel Moïse de profiter de l'occasion ça pour voir Toya et sous question dialogue et en même temps faire jeune ça de promesses pendant par lorsque par le parlement lui parler de réformes qui doivent faites dans le loyau. Chers fonctionnaires étudiants, à un moment où l'école est prise en otage par un certain groupe qui ne rêve que de désordre, votre exemple est là. Pour montrer aux jeunes qu'il y a encore de l'espoir dans ce pays, pour montrer que cet espoir passe avant tout par l'éducation. Vous êtes 30 qui allez intégrer la fonction publique à un moment où le pays est mis à mal par les artisans du chaos et de la corruption. L'administration publique est ralentie de manière chronique par des groupes qui se perdent dans la passion de la déstabilisation, de l'insécurité, au lieu d'agir selon les règles démocratiques. Des groupes qui préfèrent rejeter l'expérience de l'état de droit
pour s'adonner à la barbarie, au lynchage spectaculaire, à l'assassination des caractères cherchant à inspirer la peur au lieu de se mettre autour d'une table pour instaurer un véritable dialogue, seul susceptible de rendre possible une vie sociale sereine, le développement économique et la mise en marche de notre pays vers le progrès, comme je l'ai si bien dit pendant toute ma campagne électorale. Stabilité politique est le premier des biens publics. Aujourd'hui, 30 jeunes s'apprêtent à intégrer les services centraux du ministère des Affaires étrangères par le biais de l'Académie, encore sur concours. Voici les choix que je veux pour le pays. Voici les choix que je veux pour mon pays. Voici les choix que je veux pour la jeunesse haïtienne. Voici ce que je veux laisser en héritage. Je veux profiter de cette occasion pour féliciter le chancelier, le docteur Claude Joseph, pour avoir bien saisi et mis en œuvre ma vision de l'administration publique, en particulier de la diplomatie. Ministre, j'ai pris note de vos efforts. Je vous renouvelle tout mon support dans la mise en œuvre de cette politique étrangère de grandeur et de prestige que vous instaurez dans la diplomatie haïtienne. Même si vous prenez quelques fois de l'erreur, songe, c'est pour payer à votre travail. Bagaille va jamais passer. Quant à moi, je suis avec vous. Chers compatriotes, ce n'est pas tous les jours que nous avons l'occasion d'honorer l'excellence dans ce pays. L'Académie diplomatique accueille sa troisième promotion et c'est la première fois que des fonctionnaires étudiants sont reçus dans la maison du peuple, le Palais national. À vous, fonctionnaires étudiants, je sais que vous évoluez dans des situations difficiles. Vous venez pour la plupart, comme moi d'ailleurs, de l'intérieur du pays. La première mesure que j'ai décidé de prendre avec le Premier ministre est de vous faire nommer tout de suite et comme cela doit l'être, comme fonctionnaire de l'administration publique. À vous, professeurs, responsables de l'Académie, je sais que la petite salle dans laquelle les cours sont dispensés ne répond pas aux normes d'une académie diplomatique moderne. J'ai instruit le chancelier de faire le nécessaire rapidement afin de vous trouver un meilleur local, même provisoirement, en attendant la construction d'un bâtiment approprié avec salle de cours, bibliothèque, salle de conférence, réfectoire, etc. Je sais aussi qu'il vous faut un cadre légal. Un décret sera publié incessamment pour consacrer le fonctionnement de l'Académie diplomatique en tant qu'institution étatique sous l'égide de la chancellerie. Chers compatriotes, toutes ces mesures sont adoptées pour signifier que l'heure est davantage à la mise en œuvre d'une vision moderniste de l'administration publique. Une vision qui veut que ce soit les plus capables qui pensent, qui agissent, qui servent, qui prennent le risque de sortir des chantiers battus. L'heure est à l'actualisation des lois. L'heure est à l'invention de nouvelles procédures, de nouvelles interprétations qui répondront à tous ces défis qui structurent notre quotidien. Les lois sont faites pour le bien-être du peuple. Voilà, j'aimerais te